Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed Rogue. Et aujourd'hui dans cet épisode, on va continuer notre aventure. Bon, vous voyez qu'on a un petit peu changé, on a un petit peu bougé. C'est tout simple. La dernière fois qu'on devait faire une mission, c'était pas ici. On devait aller là-haut, vers là-haut, voilà. Le problème c'est que j'ai fait la mission, j'ai fait mon épisode. Mais le souci c'est que voilà, j'ai eu un petit problème à l'enregistrement, j'ai le son de mon micro qui n'était pas enregistré. Et donc ça fait que du coup, on n'entend pas du tout ma voix dans tout l'épisode. Donc du coup, tant pis. Vous avez raté une mission de l'aventure. Alors la mission c'était qu'il fallait tuer Adewale. Donc on l'a poursuivi, tout ça, et on a fini par le buter. Donc voilà, donc ça c'est fait, hein. Vous l'avez raté, tant pis, c'est pas trop grave, hein. On n'est pas à une mission près. C'est pas trop grave, bon, j'en suis désolé. Hein. Je savais pas que ça allait pas enregistrer ma voix. Un petit bug au niveau de l'enregistrement de mon micro. Mais bon, voilà. Normalement, là, c'est bon. Ça devrait le faire. Donc voilà, on se retrouve donc pour la suite, la mission qui est juste après. Alors, j'avais un peu plus avancé en off avant de faire l'épisode précédent. Enfin, avant de faire l'épisode précédent que je n'ai jamais sorti, du coup. J'avais un peu plus avancé en off. Donc, on va faire le reste. On va continuer. La situation est pire que prévu. Les assassins ont trouvé un moyen d'activer la boîte des Voilà, précurseurs. on avait aussi appris ça. Ils préparent déjà une expédition. Alors, nous devons de les arrêter. Hope dispose de centaines d'hommes, et les autorités ne font rien. Pourquoi ne pas infiltrer ces hommes? Nous pourrions commettre un crime d'une telle ampleur qu'il provoquerait leur chute. Cette idée me paraît excellente, Jack. À toi de jouer. Je vais découvrir où se terrent les assassins. Le chef a bien donné l'ordre de semer le chaos. Profites-en tant que tu le peux, Shay. Attaque-les, Shay. On doit récupérer leurs amis. Tu as raison. Ne restons pas là. Allez, on va choper celui-là, on va. Pitié! Je suis trop jeune pour mourir! Dépêche-toi, crétin! Ou nous mourrons tous les deux! Ah! Boum! Voilà. Cette chance! Nous voilà assez affreux pour incarner des brigands. Oui. Des brigands très élégants. Quelle est notre cible? La solde militaire. Il faut faire vite. Un régiment est déjà en route vers le fort où sont entreposées les pièces. Bien. J'imagine que tu as un plan. Le fort abrite beaucoup de prisonniers. Entre et hisse les couleurs du gang. Je me charge de les libérer. Tu comptes libérer des criminels complices des assassins? Ma foi. Il faut bien retourner l'armée contre eux, non? N'oublie pas. À toi le drapeau, à moi le chaos. Allez, du coup, je pense qu'il faut éviter de tuer les gens. Ouh, la caméra est un peu bizarre. Hein. Piller la trésorerie. Attends, ils sont où les... Attends, elle est bizarre la caméra là. Quand on regarde vers le bas, elle est tout à fait visible. Mais je l'ai pas tué, je l'ai tapé. Je voulais pas le tuer, je voulais le taper seulement. Allez, on va piller les coffres. Hop, la petite grenade qui manquait, même si on n'en avait pas beaucoup. Mettre les couleurs du gang. Oh,
Oula. C'est le moment de faire tomber le sol. Retenez les prisonniers. Empêchez-les de voler notre solde. À l'attaque. Ils sont trop nombreux. Allez, on va piquer ce qui reste. Ici, voilà, la porte qui est là. Moi je pille, hein, et vous vous occupez des mecs, hein. Allez, on va essayer d'aller piller tous les coffres. Il fait, il descend. Non, non, il descend pas. Il s'en fout à piller tous les coffres, c'est chaud quand même. Parce que je vois qu'il y en a encore deux autres après. Merde. Allez, 30 secondes pour aller crocheter, ça va être chaud. Crocheter et piller en 30 secondes. Ouais, pourquoi pas. Il nous a pas vu, on l'avait sur le radar et c'est barré. Allez, 16 secondes. Voilà. C'est fait, on s'en a pas besoin. Et allez, on se casse. Voilà. Impeccable. Que diable s'est-il passé ici ? Des agents de l'extérieur. Ils ont aidé les prisonniers à fuir. Ils étaient trop nombreux. Eh bien, je crois qu'il va falloir y remédier. Il est grand temps de nous occuper de ces criminels. Il y en a un derrière, là. Marcher, Jack. Avec un peu de chance, l'armée écrasera ces maudits brigands. Je crée ma propre chance. Bon, on a réussi à tout faire. Ça fait plaisir. Du coup, on récupère tout l'argent, parce qu'il y en avait beaucoup. Alors, deux améliorations seulement sont disponibles, c'est tout. Et bien, on va enchaîner avec la mission d'après. Parvenez à une synchronisation de 50%. 50% sur quoi? Sur tout le jeu? J'ai peur qu'un soit en bas, mais ça. Ah, c'est la caméra qui est un peu bizarre. Hein. Je me souvenais plus qu'elle faisait des trucs comme ça. Non, là ça va. Hop là. Là ça va, là ça va. Bon, de temps en temps, j'ai des petites alertes comme ça d'assassin. Mais... c'est la caméra qui fait la folle. Ah, il y a un plan par là, tiens. On va aller voir ce que c'est. Ah! Non, mais les enfoirés, quoi. Ils voulaient pas me laisser le... Ils voulaient pas me laisser le plan. Ah, le canon en barrière d'élite. Oula, ça, par contre, c'est bon, ça.
J'avais chopé un plan un peu pourri la dernière fois. Un tas de foin là. Il y a un tireur d'élite assassin. Beaucoup d'assassins par ici. On va récupérer le petit truc là, il est juste à côté. La petite lettre. Il y a un petit point de synchronisation par là-bas. On va aller voir ça avant de continuer, j'espère qu'il est pas très très loin. Comment elle a mangé quoi. En fait, il y a deux points d'observation, il m'a l'air un petit peu loin. En tout cas, tout est aux mains des assassins ici. Alors moi je suis comme ça. Bon. J'arrive direct, je monte sur les... Je monte sur les bâtiments comme ça. Sans filer, sans rien. Allez, petite synchronisation, puis après on va à la mission. C'est un remer, il est où le tas de foin? As the crow flies, I see him. T'as l'enfoiré quoi. Resistance is not in your best interest. Desist. Enfoiré quoi. Il tombe à côté des gens. C'est pas moi. C'est pas moi, j'ai rien fait, je vous jure. C'est une malencontreuse mauvaise chute qui a conduit au décès de ce pauvre homme. Prévenir tout risque éventuel. Là, c'était vachement loin en fait. Hein. On aurait pas dit comme ça, mais. C'était quand même vachement loin. Il est où le coffre? Je l'ai raté? Je l'ai raté, il est où? Il est là-haut? Voilà, c'était pour l'exemple. Où est ton chef? Je ne dirai rien. Il me tuerait. Bah, tu sais si tu ne dis rien, il te tuera.
Dans le grand manoir. Celui avec les jardins. Tu es prêt ? Bah finalement, il est mort quand même, quoi. Vous n'avez pas dit que vous aviez une lame secrète ? Parce que tu croyais être le seul ? Eh bien, en fait, je le pensais, oui. Où l'avez-vous obtenu ? Disons un don de la confrérie. Je vois. Notre mission a réussi. L'armée devrait se mettre en mouvement d'un moment à l'autre. Bien. Nous n'avons pas assez de ressources pour disposer de ces criminels. Avec un peu de chance, nous en serons débarrassés pour de bon. Je crée ma propre voilà, chance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À présent, tranchons la tête du serpent. Bah, si vous tirez, vous savez qu'il est là. Bonjour. Chef, nous en sommes certains. La femme est ici. Parfait. Bah, tout le monde le sait, en fait. Il est temps de la débusquer. Je vais m'occuper de... Très bien. Feu ! Vous avez entendu quelque chose ? Wow! Toi, tu me tires dessus, toi. Tu t'es cru où, toi? Merde. Banzai! Oh! Voilà. Voilà. Attends, hein, deux petites secondes. Bouge pas. On va passer par derrière parce que ça, je le sens bien. Ils ont pas du tout capté. Bon, le chevalier doit m'attendre. Hope. Bon voyage. Ah, un nouvel. Il était temps que tu te Désolé qu'on doive en arriver là. C'est la baston. Tu étais un être fascinant. Ouh. Et du coup, faut faire un sans faute en fait. Peut-être passer en face, ouais. Wow. J'avais pas vu venir celle-là. Il
pas là le coffre, non, il était de l'autre côté. Ça, ça monte tout seul, c'est cool. Tu es bien plus endurant que je l'imaginais. Poison. Il ralentit mon cœur. Il faut que je bouge. Ok. On va bouger. C'est ça, je meurs. Bouger. Pour que mon cœur tienne. Donc pas le temps d'être discret, pas le temps de faire attention. Et saute. Saute. Allez, avance. Allez. Allez. Il veut pas monter. Allez. Bon, il veut pas monter. Je dois pas m'arrêter. Comment je fais s'il veut pas monter? Je dois retrouver Hope et l'antidote. Ouais, je vais sortir par là. Merde. C'est pas par là que je voulais aller. Putain, c'est con qu'il ait pas voulu monter. Est-ce que je vais pouvoir passer par là? Même pas. Même pas, je ne sais pas par où je peux passer du coup. Allez. Encore une fois, il veut pas sauter. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Allez! Putain, j'ai autre chose à foutre que m'occuper de vous, les gars. Oh, qu'est-ce que tu me fais, mon petit? Non, pourquoi tu... Oh là là, mais pourquoi t'es pas monté? Andouille! Triple andouille! Ah mais non, mais tu vas trop loin là. Tu peux pas monter plus loin. Bon. Allez. Je sais même pas où est-ce que... D'accord, il faut que je parte par l'autre côté. Non. Putain, mais non. Mais non. Il fait n'importe quoi, mon personnage. Allez. Wow. Now you see me? Now you die. Voilà. Ah merde, elle était passée par là. Allez. Bah ouais, mais il voulait pas monter, quoi. Il voulait pas se bouger. Tu n'abandonnes donc jamais. Mais moi, je veux pas passer par là, parce que je suis sûr que j'ai... les gars, ils vont me rentrer dedans, sinon. Je cours plus vite qu'elle. Elle est en train de me poursuivre là, derrière. Oh quoi? La zone empoisonnée. Bah vas-y, mais tu te cheats. Ouais, mais je peux pas. Ah putain. Elle est maligne, cette conne. On va essayer de trouver un autre chemin. Est-ce que je peux la tuer au pistolet ou un truc comme ça? Allez, bim! Voilà.
Excusez-moi, messieurs, dames. Tu arrives encore trop tard. Heureusement qu'elle a l'antidote quand même sur elle. Je n'ai jamais voulu ça. Je t'ai formé pour ça. Tu ne m'as pas déçu. Alors pourquoi? Pour donner à Liam le temps de fuir. Bientôt, le chevalier atteindra le site des précurseurs. Je serai sur sa route. Il te verra arriver. Dommage. Tu étais si prometteur. Natives came through here the other day. No doubt the army put their village to the torch. N'engagez pas le combat. Ah oui, oui, bah oui, bon ça. Oh, je peux la piller. Quoi? Quoi, j'ai pas le droit? Elle a voulu me tuer, au moins poisonnant en plus. Ah, c'est où qu'on a la prochaine mission? Je vois que c'est pas par ici. C'est dans l'Atlantique Nord. Et bien c'est là. C'est là. C'est un endroit que j'ai déjà fait. C'est quoi l'endroit? Perse. Bon, ben, on va s'arrêter ici. Pour cet épisode. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Pourquoi c'est comme ça? QG des Templiers. Ah oui. Et pourquoi là c'est QG des Templiers? Ah oui, mais c'est parce que oui, c'est parce que c'est des... Ben non, pourquoi là il est en QG Fort Louis? Je sais pas pourquoi là il est vert. Pourquoi là-bas il est bleu? C'est quoi là? Pourquoi? Le pourquoi du comment? Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi. On a presque 60 000 balles, oui, effectivement. Et on peut pas faire quelque chose avec ça. On peut pas faire quelque chose. On n'a pas un vendeur par ici. Il y a un truc de carte sur... Il y a plein de choses par ici. Un capitaine de port. Tiens, on va aller voir le capitaine de port. Avant de se quitter. Pour voir s'il a pas des trucs pour nous. Comme on est blindé d'argent. Et je parie qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Ou faut que je traverse l'eau. Non, ça va. C'est notre capitaine privé. Allez. Il est là, notre beau bateau. C'est vrai qu'il a quand même la classe, ce bateau. Il a quand même la classe. Une fois bien amélioré, enfin, assez amélioré, il a quand même la classe. Il a bien la classe. On peut pas acheter des... non. On peut pas acheter des trucs... On va vendre ça, hein. Des trucs comme de la pierre, des trucs comme ça, on peut pas en acheter. Là, il me faudrait du métal, en fait. Il me manque ça pour faire des améliorations. Je pense que c'est ça qui doit me manquer pour... pour faire des améliorations, tout court. Le mortier... Ah, j'ai le... Ah non, j'ai pas le plan. Ça, je peux faire ça, mais on s'en fout. Compartiment à pétrole. Compartiment de cargaison, mais je vais faire ça. Ça, il me manque du bois. J'ai que 15 bois, ouais. J'ai plus grand chose. Il va falloir qu'un petit peu que je fasse de la chasse navale. Il va falloir faire un peu de chasse navale. Parce qu'on est un petit peu en problème de, en déficit de ressources. Merci. Allez, pour votre confiance, capitaine. La prochaine fois, on continuera l'histoire, soit on fera un petit peu de chasse navale. On verra bien dans les eaux dangereuses et difficiles.
On verra. En tout cas, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Rogue. Allez, ciao.